Alors ici, on est au nord d'Aix-en-Provence, au sein de l'appellation Coteaux d'Aix-en-Provence, au château Barbebelle, un domaine familial depuis 4 générations à Rognes. À Barbebelle, on a beaucoup de chance d'avoir énormément d'espace. C'est un domaine qui fait 300 hectares d'un seul tenant. Il y a plus de 200 hectares de bois, 50 hectares de vignes. Et ici, dans cette parcelle, on voit bien qu'il y a à la fois des vignes et puis une bande de bois entre deux parcelles. Ça, on y tient vraiment de préserver ce bois-là. Ça peut être un allié contre le gel, éventuellement. Là, on l'a vu cette année, on a un peu moins gelé dans les parcelles qui étaient proches des bois. Et après, c'est aussi un allié contre les petits insectes, parce que tous les oiseaux qui vivent dans les bois peuvent éventuellement manger des insectes qui seraient néfastes pour la vigne et apporteurs de maladies. Dès qu'on a de la place dans une parcelle, puisqu'on a la chance d'avoir de l'espace, on y plante soit du sainfoin, de la luzerne. Après, on a aussi planté des chênes truffiers. On a aussi mis des ruches. On a un apiculteur qui vient régulièrement prendre soin des abeilles. On remarque depuis quelques années à Barbebelle, depuis qu'on fait vraiment très attention à préserver l'environnement et à cultiver cette biodiversité, que les vignes vont très bien, ont un rendement finalement qui est très bon, les sols vivent, on voit des vers de terre, on voit des animaux, des insectes, des coccinelles, des escargots. Sur le vin, ça se ressent, c'est vivant et c'est de bonne qualité.